Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis et puis j'ai jamais trop osé. Mais comme tous les week-ends je bricole soit sur mes autos, soit sur celles des potes, et ben je me suis dit que ça serait intéressant de faire des vlogs comme ça, le vlog du samedi on va dire, où je vous montre en gros ce qu'on fait et puis dans une ambiance plutôt décontracte. Donc vous me dites en commentaire si ça vous plaît. Aujourd'hui avec mon frère on est sur la Punto GT de Valentin, un pote à nous, qui a beaucoup de rouille, et donc l'idée c'est de refaire les planchers et les bas de caisse. Voilà, puissance. Ah voilà. Ah ça c'est incroyable ça. Bon c'est pas le tout, mais on va conduire une vraie voiture ce coup-là. Bien gentil avec son audi. Allez, c'est parti, youhou. Au quart de tour, au quart de tour. Aucun défaut l'auto. Oula, j'ai failli taper dans le tracteur. On n'est pas des campagnards nous. Bon les amis, voilà, on est aujourd'hui sur du putain de bas de caisse de Punto GT. Bon, il y a un peu de boulot, hein. Vous en doutez. Non, mais il filme pour de vrai. Non, pour de faux. Pour de faux, c'est juste un fake. Ouais, je pensais que tu racontais ta vie. Voilà. Ah, go, go. Donc, on est là-dessus, les gars. On est là-dessus. Plancher neuf là-bas. Plancher avant, il n'a pas trouvé, donc va falloir faire du formage de tôle. Ce qui n'est pas spécialement évident. Ici, on va tout refaire aussi. On va s'amuser voilà, sur ça aujourd'hui, les amis. Voilà. C'est parti. Pour l'italienne de compétition. 90 représente qu'on fait du taf de dingue sur des caisses de malade. Mais non, cousin. Ça, j'en peux plus de ces gars-là, aidez-moi. T'as payé ça combien, Valoche, le bas de caisse, là? 10 000 euros. Ah ouais, ça va, ça vaut le coup. 50 euros, 47 euros et 52 euros de livraison. Ouais, non, ça sérieux pas, ça valait pas plus que ça. Enfin, bas de caisse, hein, ça veut dire que... Là, ils sont même bunnies et tout, putain, les bâtards, quoi. Les bâtards, ils ont bunnies la Ah, c'est beau, c'est beau. Je sais pas comment ça va être, ça va se souder, cette affaire-là, mais c'est pas mal. Le dites à personne, les gars. Oh putain. Ah, il est pas mal, mais il faut le pousser à peine, faut tout le temps. Voilà. Ah, il est pas dégueu là. Toi, en le tapotant, en le redressant, ça va le faire. Il y a là, il faut qu'on redresse quand même. Là-bas. Pas mal sinon. Là on finit 2-3 points encore et ça va être bien, fin bien. Ouais, franchement c'est bien. Je fais un point là, je vais juste faire quelques points là pour que ça se Et puis là je vais redresser tout là pour que Donc attends, j'en fais un ou deux et comme ça qu'on ait encore du jeu là, pour qu'on puisse ouvrir et passer la tôle là, celle-là là. Ouais. Ah bah nickel. GT. GT, je crois. GT. GT. Et chaque logo est collector. GT. GTI. Bon les petits potes, on va vous faire quand même le petit point fin de chantier. Là il est presque 20h. Donc on aura bien bossé aujourd'hui. Donc installation du nouveau plancher arrière côté conducteur. Donc avant. Après, on se garde l'autre côté pour après, mais là il y en a marre pour aujourd'hui. Il y a encore tout le plancher avant, là on a fait que découper, mais il y a encore tout le boulard soudé. Petite rustine ici à l'intérieur parce que là c'était tout pourri aussi. Ici aussi c'était tout pourri, donc on a rajouté une plaque. Il nous reste plus qu'à disquer pour bien allonger la feuillure d'origine. Là il y a un petit déport qui doit pas être, donc on va tout couper ici.
Il y a tout ça encore à reformer parce que c'est pourri. Donc, week-end prochain, on va s'occuper du plancher avant, puis après, en août, on fera l'autre côté, mais... On manque pas de travail, ça c'est sûr. Voilà les chefs. Vous regardez dans quel cadre je vais vous dire au revoir. N'est-ce pas magnifique? Vive la campagne quand même. Hein. Bon, alors, comme vous avez pu le voir, on a repointé un plancher arrière en neuf, donc ça, pas de difficulté. On dépointe l'ancien, on repointe le nouveau. Idem pour le bas de caisse, vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a le bas de caisse en neuf. Mais c'est très long, franchement, les carrossiers tôliers, vous volez pas votre travail en vrai. Hein. C'est super long, c'est parfois chiant. Donc en aucun cas on est taulier ou carrossier, on n'est pas en train de dire qu'on est des professionnels. Vraiment là on le fait pour dépanner Valentin, pour qu'il puisse encore profiter un petit peu de sa caisse, mais voilà, c'est un métier, clairement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo du samedi, de l'occupation du samedi de Cars Daily vous a plu. Si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéo un peu moins sérieuse que d'habitude, dites-le en commentaire. Moi je vous fais des bisous, je rentre à la maison, les savates est terminé, bonsoir. Allez les petits potes, à toutes.